Bonsoir. Bonsoir Nadine, bonsoir Paul, bonsoir Kabuki. J'espère que vous allez bien. Je vais juste un peu arranger la cam. Je reviens tout de suite. Hello France, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Lise, bonsoir c'est tout Keder. Pygmongienne, bonsoir, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts pour ce soir. D'ailleurs, je viens de penser à une chose sur ce site. En utilisant ce site-là, je peux faire un partage d'écran pour les personnes qui voudraient appeler, intervenir. Donc, une fois que j'aurai fait, une fois que j'aurai corrigé les dessins, que je les aurai regardés et qu'on aura choisi le vainqueur, je pourrais mettre un lien de partage. Et s'il y a des gens qui veulent appeler pour qu'on puisse discuter un peu avant de se quitter, eh bien, ça pourrait se faire. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut que je mette la tablette en place. Bonsoir Coco Grégame, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir Samuel. Est-ce que vous m'entendez bien quand je parle? Alors, il y a peut-être des dessins, ok. Il y a peut-être des dessins que j'ai loupés, que j'ai pas pris, et j'ai demandé qu'on me les renvoie vers 19 ou 20 heures. Oui, le son est bon, cool. J'ai demandé qu'on me les renvoie. Donc, si vous n'envoyez pas, c'est que ou vous ne les avez pas renvoyés ou je ne les ai pas vus. Mais a priori, j'ai bien vérifié et je devrais tous les avoir, normalement. Et ceux que j'ai pas pris, c'est ceux qui ne respectaient pas vraiment la règle. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que le dimanche a été bon. Moi, j'ai enregistré quelques vidéos qui seront, que je vais publier dans la semaine, qui seront vraiment pas mal. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des questions que vous vous posez, ben, notez-les-moi maintenant ou dites-les-moi dans un commentaire et j'y répondrai en vidéo. Je pense que ce serait pas mal, ça. J'y réfléchissais tout à l'heure. De répondre aux commentaires par vidéo au lieu de répondre par écrit. Donc c'est cool parce que la semaine dernière, il y avait 6 participants et là, aujourd'hui, il y en a 8, ce qui fait plus que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plutôt. Et donc c'est sympa si on est de plus en plus nombreux. Donc je ferai ça toutes les 2 semaines environ. Si ça va, il faudra que je trouve de nouveaux sujets à chaque fois. Pour l'instant, j'en ai. Mais un concours comme ça, toutes les 2 semaines, c'est pas mal. Comme ça, un dimanche,
je fais un cours sur un sujet et ensuite je vous laisse une semaine pour réaliser le dessin. Qu'est-ce que vous en dites? Et dans 3 minutes, je commence à corriger. Je vous ferai un partage d'écran et je corrigerai. Qu'est-ce qui est cool, Nadine? D'ailleurs, je me demandais, la vidéo que j'ai publiée, je ne sais pas si vous l'avez vue, je viens de publier une vidéo, donc c'était vendredi, où j'étais dans un petit parc, pas loin de chez moi, je me suis filmé. C'est une vidéo comme ça hein, que j'ai filmé à la va-vite. Est-ce que vous aimez bien ce type de vidéo ou est-ce que vous préférez quand je suis là dans mon bureau avec une vidéo un peu plus travaillée, vous savez, avec des petites écritures en bas à gauche de l'écran? Ça, c'est plutôt des vidéos étape par étape, mais ce serait bien aussi que je fasse des vidéos un peu générales sur le dessin. Ou ben, je suis dehors, je me filme, comme ça, et je donne des conseils. Je dis un peu ce que je pense. Donc j'en ai 8. J'ai 8 dessins. Alors que la semaine dernière, il y a 2 semaines, on était 6. Là, j'en ai 8. Bonsoir, The Real Zoro. J'espère que tu vas bien. Ici, c'est mieux. Donc ici c'est mieux, c'est-à-dire. Je vais très bien, merci. Et toi? Combien as-tu reçu de dessins en France? J'en ai 8. J'en ai reçu plusieurs par la même personne. Mais à chaque fois, j'en ai pris qu'un seul. J'en ai choisi un parmi plusieurs photos ou parmi plusieurs dessins. C'est moins formel, c'est aussi agréable les vidéos spontanées. Ouais. Mais je ferai les deux dans tous les cas. Donc les vidéos un peu plus travaillées, ce seront des vidéos étape par étape où j'expliquerai tout le processus à suivre. Ou sinon des vidéos plus générales où je donne des conseils sur le dessin, comment progresser, ou le type d'exercice à mettre en place. Je ferai des vidéos comme ça spontanées, de quelques minutes. Ça peut durer 5, 6 minutes ou 10 minutes. Ça fait plus naturel. Bref, je vais commencer. Parfait pour le dimanche. Ok, donc ce sera un dimanche sur deux. Les vidéos sur le groupe quand tu es à l'extérieur, c'est bien. Après, si tu dois dessiner, tu seras mieux au bureau, je pense. Si je dois dessiner, oui, bien sûr. Si je dois faire des vidéos où je vous explique les étapes à suivre, je les ferai ici. Ce seront des vidéos plus travaillées. Alors que les vidéos plus spontanées que je fais à l'extérieur de chez moi, quand je me filme, c'est juste pour donner des réponses généraux, pour parler du dessin de manière générale. Là, j'ai fait une vidéo tout à l'heure que je publierai sur les avantages de dessiner en petit. Donc pour ça, j'ai pas besoin d'être sur mon bureau, de mettre tout en place, de mettre tout le matériel en place et de me filmer. Je peux faire ça en étant dehors, je peux faire ça en étant à l'extérieur, ça change rien du tout. Parce qu'en général, je conseille surtout de dessiner en grand, mais il y a aussi des avantages à dessiner en petit et j'explique dans la vidéo quoi faire pour dessiner en petit. Enfin, quels sont les avantages plutôt de dessiner en petit aussi. Aussi, une vidéo que je vais faire sur le dessin d'imagination en expliquant, en vous racontant le contexte dans lequel Superman et Batman ont été créés.
Pour ça, je n'ai pas aussi besoin d'être dans mon bureau à faire une vidéo très travaillée. Je peux le faire en étant à l'extérieur, en étant à l'intérieur. Ça change rien. Et ça peut être tout à fait une vidéo spontanée. J'ai aimé ça à l'extérieur. Je pense que les vidéos improvisées sont pas aussi mal. Ouais. Bonsoir, Cospel. J'espère que vous allez bien. Bref, je vais commencer. Ça fait plus de 10 minutes tout de même. Bref, donc, félicitations à tout le monde, à tous ceux qui ont participé. Et ceux qui n'ont pas participé, ben, ce sera pour la prochaine fois. Et pour ceux qui sont arrivés entre-temps et qui n'étaient pas au courant du tout, eh bien, la semaine prochaine, je lancerai un nouveau sujet et vous aurez à nouveau une semaine pour faire un dessin. J'ai hâte de voir ta vidéo sur les avantages de dessiner en petit. Pas de souci, j'essaierai de la publier dans la semaine si je peux, sinon ce sera la semaine d'après. Et donc, je vais vous faire un partage d'écran et on verra, on va voir qui est le, qui sont les personnes qui ont participé. Voilà. Donc, normalement, vous voyez l'écran là, je suppose. Et donc, on va commencer par la première personne. Donc, ici, on a France. Et la première personne, donc, on a Paul-Emmanuel, ici. Donc, je rappelle, le concours, c'était faire un portrait ou un autoportrait en 15 minutes. Donc, j'avais fait un live la semaine dernière. Il y a aussi les vidéos sur le portrait que vous auriez pu regarder en suivant le même processus, mais en dessinant 15 minutes au lieu de 1 heure, plus le cours sur le portrait. Donc, ce que je fais, quand je vous corrige là le dessin, je vous donne quelques conseils. Ce n'est pas une correction très poussée parce qu'il y a les cours sur mon site internet. Des cours plus poussés où là j'entre davantage dans le détail des informations. Donc, quelques secondes, hop. Donc, quand je vais faire des corrections, j'entre pas dans le détail des corrections. Déjà, ça pourrait prendre un peu de temps et je le fais déjà et je donne déjà des exercices adaptés dans les. Désolé si je coupe, mais dans le cours. OK? Donc, je le partage. Hop. Bonsoir Espérance, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, on a Paul-Emmanuel. On a Nadine. Ici. France. Coco Grégame. D'ailleurs, Coco Grégame, tu m'as pas envoyé la photo de ce dessin-là. Donc, je sais pas vraiment à quoi ressemble la personne. Je connais pas les proportions ou. Ah, mais attends. C'est celui qu'on a fait, que j'ai fait la semaine dernière. Je peux peut-être le retrouver, mais c'est dommage. J'aurais dû envoyer la photo. Ça, c'est le portrait que j'ai fait la semaine dernière. Donc, je peux le, comme je l'ai, je peux le retrouver. Ici, Bérengère. Yao, je vais t'appeler Yao parce que je ne sais pas si on dit Béringère ou Bérangère. Donc, Yao. Il y a Benoît. Bruel. Ici, tu aurais dû m'envoyer un dessin plus grand, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Et on a Emma. Voilà, donc je vais reprendre du début, je vais commencer, je vais corriger par le premier dessin et je vais aller comme ça jusqu'au dernier. Ce ne sera pas une grosse correction, je donne quelques conseils. Et le conseil, un conseil que j'avais donné il y a déjà 2 semaines, mais qui n'a pas été respecté par quelques personnes, c'est que, ça c'est une erreur un peu de débutant en fait, c'est de vouloir ajouter les valeurs parce que vous pensez qu'en ajoutant les valeurs, c'est ce qui va embellir le dessin. Déjà, les valeurs, ça n'embellit pas un dessin. Un dessin juste au trait peut être très, très beau et impressionnant. Ce que va faire les valeurs, par contre, c'est que ça va faire ressortir davantage
les erreurs de proportion et les erreurs de construction. En premier lieu, avant de rendre plus beau un dessin, ça va d'abord faire ressortir les erreurs de proportion et les erreurs de construction. Donc, c'est pour ça que même la semaine dernière, quand j'ai fait le dessin, je n'ai pas mis les valeurs. D'abord, concentrez-vous sur la construction, sur les proportions et les valeurs, vous verrez après. Mais dans le portrait, je ne vous ai pas dit de faire les valeurs. Voilà, c'était juste faire le dessin au trait. Mais bon, voilà, je vais faire quelques corrections. Comme ça, dans vos futurs dessins, vous pourrez faire plus attention. D'ailleurs, même en 15 minutes, vous auriez pu faire attention à ça. Vous allez le voir. Bien. Donc, Paul-Emmanuel. Sur ton dessin, l'erreur que je vois en premier, c'est la distance entre les éléments. Quand je parle des éléments, c'est l'œil, ici, c'est un élément, le nez et la bouche. D'accord? Regarde sur la photo, ici, la distance est beaucoup plus grande sur la photo que sur ton dessin. La distance entre les yeux et la bouche, hein. Et en même temps, les yeux sont beaucoup plus petits. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment dessiner les yeux. Mais tu vois que sur ton dessin, les yeux sont un peu trop grossés. Vous n'aviez que 15 minutes. Mais en 15 minutes, si tu n'as pas le temps de faire les yeux, tu peux les suggérer. Les suggérer au lieu de les faire trop gros. Donc, fais attention aux distances entre les éléments quand tu dessines. Extrêmement important. Moi-même, je fais souvent l'erreur, je dessine souvent la distance entre les éléments trop petits, trop courte. Et ensuite, je dois rallonger, donc baisser la bouche ou monter les yeux. Ça m'arrive très souvent. Mais comme je te le dis, fais attention pour la prochaine fois. Même si tu n'as eu que 15 minutes, fais toujours attention aux éléments, à la distance entre les éléments. Voilà, ensuite, ta tête, elle est un peu trop ronde, je trouve, un peu trop ovale, alors que la sienne, elle est plutôt rectangulaire comme ça, surtout si on prend la barbe en compte. Donc, observe bien la prochaine fois, observe mieux. Voilà, ensuite, Nadine. Nadine, ce que je pourrais te dire et ce qui me marque directement quand je vois le dessin, c'est l'inclinaison du personnage. Ici, il est droit, d'accord? Alors que ton personnage, il est plutôt incliné en diagonale. On voit aussi que les yeux sont plutôt droits, alors que toi, il est penché vers la gauche. Donc fais attention aussi à l'inclinaison quand tu dessines. Donc, t'as pas trop dessiné les cheveux, donc on va pas le prendre en compte. Mais sinon, c'est pas trop mal. Écoute, juste fais attention à l'inclinaison. Quand tu dessines. France. Très bien, donc France. Ce qui me marque directement, c'est que toi, quand tu as 15 minutes, comme ça, n'hésite pas à exagérer s'il le faut certaines caractéristiques. Toi, tu as supprimé carrément les pommettes, la mâchoire ici. Plutôt pas les pommettes, la mâchoire. D'accord? Elle a une mâchoire très angulaire, alors que toi, tu l'as supprimée. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est. Il me semble que c'est un, non? Si je ne me trompe pas, France, parce que j'ai vu ce portrait plus elle. D'accord? Il me semble que tu m'as envoyé deux dessins et il y a elle et elle. Donc, c'est ce que je prends en compte. Hein. Donc, France, voilà, toi, c'est plutôt les pommettes. Ensuite,
Par rapport aux distances, ben, je te félicite parce que c'est des distances plutôt respectées. Je pense que tu as essayé de respecter les proportions à ce niveau-là. Juste les pommettes que tu as supprimées, la mâchoire, pardon, que tu as supprimée, ce qui est dommage. À part ça, ton portrait pour les cheveux, il y a du volume. Il manque du volume sur les cheveux. D'accord? Ça part plutôt vers le haut avant de redescendre et les mèches ne sont pas collées à la tête. Tu vois, il y a plutôt un volume comme ça. Et ensuite, les cheveux sont poussés à l'arrière des oreilles. Donc même sur la largeur du nez, ça va. Très bien. Je m'arrête là. Donc, Coco Grégam, attends, je vais retrouver la photo. C'est dommage, tu aurais dû m'envoyer la photo si tu avais réussi à la voir. Je vais la prendre quelques secondes. Voilà. Donc, Coco Grégame, qu'est-ce que je peux dire sur ce dessin? C'est pas mal. C'est pas mal en 15 minutes. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai dit que je n'avais pas fait les valeurs la semaine dernière, mais si, je les ai fait. Je me souviens. Vous n'étiez pas obligé, mais c'est vrai que je les ai faits. Alors. Toujours l'inclinaison aussi. Tu vois, sur ce. Lui, il a les yeux un peu penchés comme ça. Même la bouche. Chez toi, c'est un peu trop droit. C'est trop droit. À part ça, casquette qui est un peu trop voûtée vers l'extérieur, alors qu'ici, elle est davantage plate. Mais en termes de construction, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Oui, je te dirais l'inclinaison. Ici, il est davantage incliné vers la droite, alors que toi, il est plus de face. OK? Donc, c'est là, Coco Grégame. Ton personnage est davantage de face, alors que il devrait être plutôt tourné vers la droite. Donc, toujours faites attention à l'environnement, à l'inclinaison. Toujours bien observer. Même si vous n'avez que 15 minutes, ce que je vous conseille, c'est de passer du temps à observer plusieurs minutes, de noter même ce que vous remarquez, ce que vous observez, les caractéristiques. Comme ça, quand vous dessinez en 15 minutes, vous pouvez tout mettre en place. Vous faites un bon travail d'observation et ensuite vous mettez les choses en place. Ensuite, Béringère Yao. Donc, il faut que je me rappelle, je dis Yao au lieu de dire Béringère. J'ai juste changé le nom. Voilà, Yao. Donc, Yao, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal.
Attention quand même à la grosseur de tes éléments. Je trouve que tes yeux sont un peu trop gros sur le dessin, alors qu'ils sont plus fermés sur la photo. Tu vois, tes yeux sont plus ouverts sur ton dessin. Et tes lèvres sont quand même plus fines que sur le dessin. Donc attention à la taille des éléments. Toujours observation, c'est important. Sinon, la construction est plutôt pas mal, je trouve. C'est vrai qu'en 15 minutes, bon, c'est quand même un peu court pour dessiner 15 minutes. Moi, j'ai l'habitude, mais je prends aussi en compte que certains sont débutants. Très bien, attention à la taille de la mâchoire ou à la hauteur de ta mâchoire. Ici, la mâchoire, elle se trouve au niveau des lèvres. Au niveau de la hauteur des lèvres, alors que ta mâchoire sur le dessin se trouve au niveau de la lèvre supérieure. Donc, fais attention aussi la prochaine fois. Je vous dis, notez, faites un travail d'observation pendant plusieurs minutes avant de dessiner, et ensuite, vous pourrez commencer à dessiner, à mettre le chrono. Ici, le dessin, j'aime bien. Donc là, on est avec Benoît. Benoît, il a fait un peu plus qu'un portrait, puisqu'il a fait la composition entière, mais on va regarder que les portraits. Donc, respectez bien, restez bien dans le sujet. Là, je l'ai pris parce qu'il y en a deux. Donc, il y a Benoît et Bruel ici. La prochaine fois, quand je dis portrait, restez bien dans le portrait. Ici, il a fait les deux portraits, donc c'est cool. En plus, il y a la construction. Vous voyez la construction ici. On voit qu'il a bien construit, il a mis tous les traits d'inclinaison, construction de la tête avec l'inclinaison ici, hop. Donc là, il a vraiment fait un travail de construction. C'est bien, félicitations. Suggérer les cheveux, suggérer le volume aussi des cheveux. Même les lèvres, tu as juste suggéré, mais les traits, mettre, tu as mis les traits là où il faut. Donc, c'est bien, félicitations. Ensuite, on a Bruel, autour de Bruel. Donc là, c'est dommage que tu aies fait juste le corps entier parce que en 15 minutes, tu aurais pu faire. En fait, tu as passé plusieurs minutes à faire le corps alors que tu aurais pu faire. Passer ces minutes-là à travailler sur le portrait. Tu vois? Mais tu fais la même erreur que beaucoup de personnes. Attention à l'inclinaison, parce qu'elle, elle est inclinée plutôt en diagonale, alors que la tienne, à la verticale, d'accord? Alors que la tienne est plus horizontale, toujours inclinée en diagonale. Donc attention à l'inclinaison, à la largeur aussi de la tête. Sinon, elle sourit. Au niveau de la construction, c'est vrai que ce n'est pas très construit. C'est vraiment juste un dessin en trait. On ne voit pas trop la construction. Je ne sais pas si tu l'as fait, il ne me semble pas. Mais ça reste un dessin correct. Félicitations. Fais juste attention aux proportions de la tête la prochaine fois et l'inclinaison, comme beaucoup de personnes. Et la dernière personne, donc Emma. Et ensuite, on va pouvoir passer à donner des points. Très bien. Donc Emma, je vois pas très bien. Ce qui est dommage, c'est que je vois pas très bien le dessin. Ce que tu aurais pu faire, c'est repasser une seconde couche avec un crayon un peu plus gras pour que le dessin soit mieux visible. Mais il me semble que ici, je vois la construction du tympan. Que là, il y a la construction de la tête. Donc déjà, franchement, félicitations. Il y en a deux qui ont fait ça. Et je vous félicite.
Donc c'est toi, Benoît et Emma. Construire la tête pour ensuite placer les éléments au bon endroit. Hop, donc on voit que tu as essayé de construire correctement ton portrait, même s'il y a des erreurs de proportion, mais ça, tu sais, avec la pratique, ça s'arrangera. On voit que le nez, il est très arrondi, tu vois, ici. Hop, alors qu'elle, elle a le nez plutôt droit, comme ça, avec l'arcade qui est très visible, qui est très, très orientée vers le bas. Alors que toi, ton nez est plutôt droit. Mais à part ça, tu as construit ton personnage, tu as construit le portrait. On voit les éléments en 3D. D'accord? Moi, je reconnais, je vois bien la 3D. Les différents plans. Donc, félicitations à toi aussi. Bien! Merci pour tes remarques, de rien. Je ne vois pas mon dessin, Amju. Mais attends, si, Amju, j'ai pris ton dessin. C'est vrai que je ne t'ai pas cité, mais. Donc, quelques secondes. Hop, Nadine. Ah, j'ai oublié de le mettre, désolé. Donc, quelques secondes, je mets ton dessin, Amju. Voilà. Voilà. Bien. Et donc, pour un jus qui est le dernier, donc ça fait 9 participants, pas 8. Les conseils que je vais te donner, un jus, c'est un conseil que j'ai donné à pratiquement tout le monde, l'inclinaison de tes personnages ou dans ta construction. Quand tu construis, pense. C'est pour ça que c'est important de construire en 3D et de construire en forme géométrique. Regardez toujours l'inclinaison des personnages. Elle est très inclinée. Alors que toi, elle est plutôt droite. Tu vois? On voit qu'elle l'incline et qu'elle penche la tête vers nous. On le voit très clairement, alors que toi, ton visage est plutôt droit. Voilà. Et aussi, il y a une erreur de construction dans les formes, dans la géométrisation de ton personnage. Pense quand même à construire en forme géométrique. J'ai fait plein de vidéos sur comment dessiner le portrait et je l'ai aussi montré la semaine dernière. Donc, ça fait au moins 8 vidéos sur comment dessiner le portrait. Je t'invite à revoir les vidéos et à appliquer ce que je montre, ce que j'enseigne dans ces vidéos-là. Donc là, il y a surtout un problème dans la construction en 3D, en forme géométrique et dans l'inclinaison. Voilà. Donc la prochaine fois, concentre-toi plutôt sur la construction et beaucoup moins sur les valeurs. Voilà pour toutes les personnes. Donc là, il me semble que j'ai oublié personne. J'avais lu aussi. Ouais, mais Désir, j'ai pas vu ton dessin du coup. Il me semble que j'ai vu un dessin un message de toi où tu as dit que tu participais pas parce que tu n'avais pas eu le temps. J'ai pas du tout vu ton dessin. Donc si tu veux, tu peux me l'envoyer rapidement. Sur WhatsApp, comme ça je le télécharge.
Oui, mais l'avoir dit, je l'ai fait. Ok. Bah, je ne l'ai pas vu. Donc, tu peux me l'envoyer très rapidement sur WhatsApp. Comme ça, je le fais partager. Je le montre et je te fais une petite correction. Ok. Ah, t'as fait le même. Ok, donc quelques secondes, je télécharge le dessin. Très bien, donc ça, c'est le dessin de désir. Donc ça fait trois personnes qui ont construit le dessin. Moi, je félicite toutes les personnes qui ont construit le dessin avant de penser aux valeurs. Très bien, donc là, ce que je vois, c'est construction du dessin. On voit bien les volumes. Hop, sauf au niveau des arcades. D'accord? Donc, pense à bien construire au niveau des arcades. Le volume sur le nez, je trouve qu'il est plutôt bien construit. On voit très bien la face de dessous, la face de dessus sur les côtés. Donc, félicitations, le hic, là, c'est que les yeux sont vraiment pas à la même taille. De manière générale, donc, c'est vrai que de trois quarts, il y a toujours un œil qui est plus petit que l'autre. C'est l'œil qui est le plus éloigné qui est toujours plus petit, alors que chez toi, Désir, c'est cet œil-là, celui qui est plus éloigné, qui est plus gros que celui qui est plus proche de nous. Or, c'est l'inverse. Et les yeux sont trop gros dans la tête, à l'intérieur de la tête. Ouais. Donc là, quand je regarde cet exemple, les yeux sont trop gros. Et ta tête est bien inclinée aussi, hein. Ta tête est bien inclinée et aussi, je dirais. Ouais, tu vois, à ce niveau-là, elle a la tête plus arrondie. Enfin, cette partie-là ici, la joue plus les pommettes, qui est plus arrondie, alors que toi, c'est en creux. Enfin, t'as vraiment exagéré le creux. Moi, je t'aurais plutôt dit d'exagérer, mais en arrondi, en bosse, comme ça. Parce que là, elle paraît très, très maigre, alors que là, elle paraît plutôt d'avoir une corpulence normale. On dirait qu'elle est plutôt anorexique. Mais à part ça, il y a la construction. On voit bien la construction en 3D, les différents plans. Et pour ça, c'est top. Voilà. Donc, on a 10 personnes. C'est cool. Je suis content. Voilà celui-là. Bonsoir Azucara. J'espère que tu vas bien. Ah oui, merci cet exercice. Jamais je n'aurais imaginé faire un dessin comme ça en 15 minutes. Ben moi, je vous invite à continuer, à en faire.
tous les matins ou quand vous avez 30 minutes, même si vous n'avez que 5 minutes. Hein. Si vous avez 30 minutes, faites plein de dessins en 5 minutes et vous verrez la progression au bout de quelques mois. Les chronos, c'est stressant, mais je vais m'habituer. Il faut parce que si on te demande de faire un dessin, par exemple, et que tu dois le donner dans 2 jours, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis j'ai pas le temps ou est-ce que tu fais le dessin en 2 jours? Et ça reste un jeu aussi, hein. Ça reste un jeu, il ne faut pas le prendre trop au sérieux non plus. Mais je comprends que ça puisse être stressant. Bref, donc ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais commencer à éliminer des dessins petit à petit, même si félicitations pour toutes les personnes, d'accord, qui ont participé. Mais je vais éliminer des dessins petit à petit et ensuite les 3 derniers, on choisira ensemble combien de points est-ce que vous leur donnez. Donc, je vais revérifier tous les dessins. Okay. Mais vraiment, pour la prochaine fois, ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est la construction. Regardez à nouveau, revisionnez à nouveau le live et les vidéos qui vont avec. Et observez bien le processus que je mets en place. Et mettez en place le même processus. Très bien, donc il y en a 3 que je vais garder. Vraiment, il y a des dessins qui sont corrects, hein. Il y a des dessins que j'aime bien, mais que je ne vais malheureusement pas pouvoir garder, comme celui de Nadine. Je suis désolé pour toi, mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. Mais félicitations quand même, hein. Je te remercie d'avoir participé. Ainsi que France, ce ne sera pas pour cette fois-ci non plus. Félicitations, en tout cas. Et je vous invite à continuer vraiment de faire ce genre d'exercice. Ça vous fera progresser. Et oui, et une vidéo aussi sur le sujet, pourquoi est-ce qu'il faut être bon dans ce qu'on fait? Quel est l'avantage à être bon dans ce qu'on fait? Et je parle du dessin et d'autres activités de manière générale. Une vidéo que j'ai enregistrée tout à l'heure et que je vous publierai. Ainsi que Paul Emmanuel, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Félicitations, hein. Félicitations à ceux qui ont participé. Ce ne sera pas toi, Bruel, non plus. Ce moment-là, c'est stressant, je passe de dessin en dessin comme ça. On se dit, j'espère que ce sera pas moi, j'espère que ce sera pas moi.
Mais je suis désolé pour toi, Bérengère Yao, puisque ce ne sera pas toi non plus cette semaine. Peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je l'espère. Mais en tout cas, tu peux me renvoyer ce dessin sur le groupe spécial. Et si tu veux, on se fera une bonne correction, toi et moi, là-dessus. Comme ça, tu pourras progresser. L'avantage de ceux qui ont pris une formation, c'est que si vous m'envoyez les dessins sur le groupe, d'ailleurs, il y a un truc, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de visioconférence avec vous. Parce qu'il y a pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées. Et on pourrait faire une visioconférence. Où je corrige vos dessins et j'y passe un peu plus de temps. Parce que là, c'est vrai que sur YouTube, je fais ça en quelques minutes. Mais il faut qu'on fasse, on le fait peut-être, si ça vous dit, dans la semaine, pour ceux qui ont accès aux formations, pour ceux qui ont pris les cours sur mon site internet, qu'on se fasse peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine, une visioconférence où là, je passerai plus de temps sur vos dessins et je les corrigerai. On pourra passer même 1 heure, 2 heures. Ce serait pas mal. Je dirais que ce moment-là est même plus stressant que le fait de faire un dessin en 15 minutes. Mais tout ça, c'est pour la progression. Ça vous permet de progresser, de pratiquer. Et ce ne sera pas toi non plus, Amju. Félicitations tout de même. C'est courageux à toi d'avoir essayé. Vraiment, félicitations. Et ce ne sera pas Ce ne sera pas, ce ne sera pas Coco Grégame. Alors, Coco Grégame, je trouve ton dessin très bien. Et félicitations d'ailleurs. Mais en fait, ce qui te dessert par rapport aux 3 autres, parce que ton dessin n'est pas moins bien. Mais sur les autres dessins, on voit clairement qu'il y a eu une construction avant de placer les éléments. Tu comprends? Là, on voit bien la boule de la tête, la construction des éléments en 3D sur les 3 dessins. Et c'est ce qui a. En fait, c'est vraiment ce que j'ai pris en compte, hein, là. Ce que je ne vois pas sur ton dessin à toi. Et vraiment, si tu l'avais mis, si je voyais le dessin en construction, les éléments en 3D, parce que le fait de construire en forme géométrique va faciliter la compréhension de ton dessin en 3D. Et moi, je vois en fait les éléments en 3D, ce qui n'apparaît pas sur le dessin. Mais à part ça, les proportions, je les trouve bien respectées. C'est vrai que j'ai dit que l'inclinaison, de faire attention à l'inclinaison. Mais j'aime bien, j'apprécie ce portrait. Mais malheureusement, par rapport aux 3 autres, les autres sont. On voit les éléments en 3D, quoi. C'est ce qui t'a desservi. Donc, je te conseille vraiment de t'entraîner sur la construction. Et j'ai fait plein de vidéos sur le sujet, donc comment dessiner le portrait, le corps humain, les mains aussi. Donc, je t'invite à les visionner. Voilà. Très bien. Donc, il manque juste ces 3 portraits à la fin avec Benoît, Emma et Désir. Donc, Désir, tu es vraiment arrivé au tout dernier moment. Si j'avais dit c'est trop tard, tu peux pas y participer, eh bien, j'aurais pris les 3 autres. Le dernier, celui que j'ai enlevé à la fin. Donc, tu arrives en tout dernier par chance et c'est toi qui fais partie des finalistes. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une feuille. D'accord? Comme ça, je ne serai pas le seul à voter.
Merci quand même, Smaël, j'ai essayé. Ben, ce sera pour la prochaine fois, France. De rien. Et vraiment, il n'y a pas de déception à avoir ou quoi, on fait ça entre nous. C'est plutôt pour vous faire progresser, pour vous motiver. Le fait que ce soit un concours aussi. Et puis, hors le fait que ce soit un concours, corrige un peu vos dessins et ça vous permet d'avoir quelques éléments pour que vous puissiez progresser pour les prochains dessins. Coco Grégam, oui, je suis d'accord, je fonctionne pas mal au feeling. Plus qu'à la géométrie, je suis mauvais élève. Bah, c'est pas grave, tu vas progresser. Mais promis, quand j'aurai plus de temps, je visionnerai les vidéos sur le sujet. Pas de souci, celui d'Emma est bien. Ça devient plus stressant que les 15 minutes de dessin. Donc, pour l'Emmanuel, les critiques sont importantes. Exactement. Exactement. Le concours, c'est pour ajouter un peu de piment, vous voyez. Merci pour ces super commentaires. Je suis heureuse de voir que je m'en sors pas trop mal. Mais dans l'ensemble, chacun se débrouille bien. Bah, félicitations à tout le monde. Dans l'ensemble, tout le monde se débrouille bien. Bref, donc, pour les dessins, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire, je prends une feuille, vous voyez. Donc, je prends une feuille, je vais noter les trois noms avec des cases. Et ce sera plutôt à vous, là, de choisir pour qui est-ce que vous votez. Comme ça, je ne suis pas le seul à décider qui sera le gagnant. Bien. Le premier, c'est Benoît. Le second, c'est Emma. Et le troisième, c'est Désir. Voilà. Après, pour Désir, je vais prendre la photo tout de même, pour que tout le monde puisse le voir. Voilà. Donc, chaque dessin a ses avantages, chaque dessin a ses inconvénients. Ici, Benoît, tu aurais davantage dû te concentrer sur les portraits plutôt que sur l'ensemble, sur la composition. Tu aurais fait vraiment deux très 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 bons portraits. Moi, j'adore ces portraits. Ils sont très simplifiés. T'as mis les bons traits là où il fallait, t'as accentué ce qu'il fallait accentuer, t'as mis de côté ce qu'il fallait mettre de côté. Moi, je trouve que ce sont des très bons portraits. Ensuite, Emma, je pense que tu aurais dû faire une seconde couche pour préciser davantage le portrait, d'accord? Pour qu'on voit mieux la construction des yeux, du nez, de la bouche et du contour de la tête en général. Mais sinon, très bon portrait, on voit la construction, on voit les éléments en 3D, la construction en 3D, les différents plans. Et ici, très bonne construction, mais les yeux sont trop gros et j'aurais davantage, t'as un peu trop exagéré la forme ici des joues. Donc là, au lieu que ce soit en arrondi, ici c'est en creux. Donc chaque dessin a ses avantages, chaque dessin a ses inconvénients. Moi, je vous invite à choisir qui est le vainqueur pour vous. On a ici Benoît, ici Emma, et là Désir. Donc vous pouvez voter qu'une seule fois. N'essayez pas de tricher. Je vais mettre les trois dessins à côté pour que vous puissiez les voir.
Donc, est-ce que vous voyez bien comme ça? Est-ce que là, vous voyez bien les dessins? Donc, je vais aussi noter. Je vais noter les prénoms. Emma. Désir. Et Benoît. Voilà, donc vous pouvez commencer et pas de triche, vous pouvez voter qu'une seule fois. Bref, Nadine vote pour Emma, ça fait un point pour Emma. Désir, un point pour Désir. Nadine, après deux autres sont très bien, je vote pour Emma. Je donne pas mon avis hein, parce que sinon je veux pas influencer. Bonsoir Nad, j'espère que tu vas bien. Hop, Désir, donc ça fait trois pour Désir. Deux pour Emma et un pour Benoît. Ensuite, on va se donner 10 minutes. Benoît. Donc, est-ce que vous voulez connaître mon avis? Je ne vais pas vous influencer, mais... Est-ce que mon avis vous intéresse? Donc Benoît, je vote désir, ok. Donc ça fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit votes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok. Donc on se donne jusqu'à 22h15. Alors moi, selon ce que j'observe, malgré les trois que j'aurais mis en finaliste, enfin les trois finalistes, je pense que même si c'est peut-être là le moins respecté de tous, parce que j'avais bien spécifié que ça doit être un portrait, je pense que Benoît aurait été le vainqueur. Selon moi, les trois ont respecté le principe ou les étapes et les éléments à mettre en place. Surtout, ce que je vois, c'est la construction. C'est celui qui a le moins de... Parce que le dessin, il est petit, donc le processus est le même. C'est celui qui a le moins d'éléments en 3D, où on voit le moins les différents plans. Mais en termes d'esthétique,
Donc les trois ont la construction, donc je vais aller un peu plus loin en termes d'esthétique. Et celui qui me paraît le plus abouti, c'est celui de Benoît. Donc je vais au-delà de la construction 3D. Donc c'est celui que j'aurais choisi. Mais pour l'instant, le gagnant, c'est Désir. Donc allez, là, on est dans la course. Ça fait 2 pour Emma, 3 pour Benoît, 4 pour Désir. Ah ben, après le vote, bon, mais désolé, j'ai déjà donné mon avis. Il reste 7 minutes jusqu'à 22h15. Hein. Lise, ok. Très bien. Donc pour l'instant, Désir, c'est le vainqueur. Benoît a 3 points. Emma a 2 points. En tout cas, Emma, je ne t'ai pas vu là sur live. Je n'ai pas vu de commentaire de toi ce soir. Benoît, merci pour ce super compliment, ça me fait super plaisir. Bah, de rien. De rien, je t'invite à continuer à en faire davantage des exercices. Mais par contre, je ne sais pas sur quel format tu as dessiné, mais je te conseille de dessiner en même temps que tu dessines en petit, de dessiner en plus grand aussi. N'hésite pas à faire des croquis, ou n'hésitez pas tous à faire des croquis sur des feuilles en A3. Sur des grands formats et sur des petits formats aussi. Très bien, il reste 6 minutes. 6 minutes, tout peut changer. Hein. La semaine dernière, je me souviens que c'était Bungie qui a fait une grosse remontée, qui était dernier, et à la dernière minute, il a fait une énorme remontée et il a fini par gagner. Donc là, Désir, t'es le vainqueur. C'est toi qui es à l'avant-garde, mais. Attention, attention, tu sais que tu peux te faire dépasser au tout dernier moment. À la dernière seconde, tu peux être celui qui perdra. Donc, attention. Faut pas crier victoire trop vite. Ah. Et j'en profite pour vous partager le cours sur le portrait, pour ceux qui veulent en apprendre davantage, aller plus loin dans la formation, dans les cours, dans les informations que je vous donne sur la construction, sur le portrait, sur comment assembler tout l'ensemble du visage, comment bien construire le visage, comment arriver à mettre en place un visage très réaliste, à donner du volume avec les traits, comment dessiner les rides. Également ceux qui n'ont pas accès aussi au groupe WhatsApp, je vous invite à l'intégrer. La remontada barcelonaise, exactement. Non, mais c'est vrai que la semaine dernière, c'était impressionnant. Là, il y a 2 semaines, la semaine dernière. C'était impressionnant parce qu'il était vraiment dernier et à la dernière minute, tout le monde a voté pour lui. Bon. Donc là, on a 2 points pour Emma, 3 pour Benoît et 5 pour Désir. Donc il reste 3 minutes. Pour qui est-ce que vous décidez de voter? Pour qui est-ce que vous décidez de ne pas voter? Qui sera le vainqueur, qui sera le perdant. En tout cas, moi, je tiens à féliciter Emma. Si tu es là, félicitations. Tu es arrivé jusqu'à la finale
Benoît aussi. Et Désir aussi, qui pour l'instant est le vainqueur. Ah, Emma. Bonsoir, je vote pour Benoît. Franchement, j'ai aimé son dessin. Bonsoir, Emma. J'espère que tu vas bien. Très bien, donc ça fait 4 pour Benoît, du coup. Et il reste 3 minutes. Donc le dessin là sur A4, j'ai du mal à utiliser tout l'espace de la feuille. C'est un petit dessin fait sur du A4, mais ça se voit que c'est en petit format. Parce que l'approche est différente que si tu as dessiné en grand. Et en même temps, tu n'as que 15 minutes, donc tu ne peux pas forcément dessiner en grand sur un format. Tu peux pas dessiner un grand dessin en seulement 15 minutes. Voilà. Très bien, donc félicitations, on est quand même. Et d'ailleurs, pour les personnes qui voudront, si vous connaissez des gens qui veulent progresser en dessin, partagez la vidéo, partagez la chaîne aussi pour qu'il y ait davantage de personnes qui puissent apprendre et progresser en dessin. Likez aussi pour ceux qui n'ont pas liké, d'ailleurs. Partagez la chaîne. Et je vous partage à nouveau le lien pour accéder au groupe WhatsApp. Là-dessus, vous pouvez partager vos dessins. Il y a plein de conseils. Des fois, je fais quelques petites vidéos aussi où je donne des conseils sur un dessin en particulier. Également le lien du cours sur le portrait pour ceux qui veulent y accéder, puisque je reste quand même très limité dans les informations que je donne sur YouTube. Et si vous voulez aller plus loin dans le détail, dans les informations que je donne, pour avoir une progression plus rapide, une progression plus détaillée, sur le cours, vous avez absolument tout et je fais des mises à jour régulières, minimum une fois par an. Et là, vous aurez absolument. Et il y a aussi un groupe WhatsApp spécialement pour les personnes qui ont accès au cours. Voilà, donc il est 15. Donc on va s'arrêter là. Petite dernière ligne droite. Est-ce que quelqu'un d'autre veut voter? Est-ce que quelqu'un d'autre veut voter? Est-ce que quelqu'un d'autre veut voter? Plus que quelques secondes. Où je m'arrête là. Bon, je vois que personne ne vote. Donc je m'arrête là. Donc le vainqueur, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc si on a Désir avec 5 points, Emma avec 2 et Benoît avec 4. Donc félicitations à vous tous, à vous qui avez eu 10 participants. Trois finalistes avec un vainqueur qui est Désir. Donc moi je vous félicite, hein. Félicitations à toi Emma, vraiment félicitations, j'adore ton dessin. Benoît, ton dessin est vraiment classe et Désir, t'es le vainqueur. Donc tu as droit à la formation sur la perspective. Voilà. Voilà pour le concours de ce soir. On se reverra dans 2 semaines pour le prochain, puisque la semaine prochaine, donc, je vais faire un sujet de live qui sera l'introduction au concours, qui sera le cours qui va vous permettre de réaliser les dessins pour le concours dans 2 semaines, qui aura lieu dans 2 semaines. Voilà, moi, je suis content. J'espère que vous aussi. Et en tout cas, pour ceux qui n'ont pas gagné, ça vous aura permis de mettre en place un nouvel exercice. Merci à toi et à tous, de rien. Ça vous aura permis de faire un nouvel exercice,
de mettre en place un nouveau processus et en même temps de progresser. Donc, même si Désir, on peut dire qu'il a gagné deux fois, puisqu'il a fait, il a gagné en faisant l'exercice, vous avez tous gagné en faisant l'exercice et en progressant, et lui, il a gagné une formation en plus. Mais globalement, tant que vous faites l'exercice, tant que vous pratiquez, vous progressez, et ça, c'est déjà une belle victoire. En tout cas, on va pouvoir s'arrêter là. On va pouvoir s'arrêter là. Le délai est passé. Ouais, exactement. Mais bon, le vainqueur, c'est Désir, avec 5 points. Benoît, merci, super défi et super conseil. De rien. La semaine prochaine, il y aura un nouveau sujet pour le concours qui aura lieu dans 2 semaines. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ou pas. Vous savez que je peux partager le lien pour que des personnes puissent non, inviter des personnes pour que des personnes puissent intégrer le live. Donc dans le lien là que je vous partage, s'il y a des personnes qui veulent parler ou dire quelque chose, bah, vous pouvez cliquer sur le lien et intervenir sur le live si vous voulez. Et après ça, si personne ne veut intervenir, pas de souci, on peut se quitter. Et s'il y a des personnes qui veulent intervenir pour qu'on puisse parler un peu, ben vous êtes les bienvenus. Mais bon, je vois que personne, il n'y a pas de souci. Je vais vous quitter là, du coup. Nous, on se revoit dans la semaine. Donc, je ne sais pas si je publie la vidéo demain ou dans la semaine. Certainement demain. On se revoit dans la prochaine vidéo que je publierai. Et plusieurs fois dans la semaine. Benoît et Emma encore. Ouais, c'était top. Vraiment bien. Je vous partage une dernière fois le lien du programme au prochain concours, c'est offrir toujours une formation. Ouais. J'avais l'idée d'offrir un dessin, un portrait ou un dessin. Ça aussi, ça peut se faire un dessin. Hein. Ça peut être pas mal. Parce que j'ai plein de dessins ici. Un dessin, ça peut être pas mal aussi. La prochaine fois, ça pourrait être un dessin. Bref, on va se quitter là. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Félicitations à tous les participants et félicitations à tous ceux qui ont, même sans avoir participé, fait cet exercice. Je vous retrouve dans la semaine avec les vidéos que je publierai. Merci à toi, Semaine, pour l'exercice et bonne soirée. Bonne soirée, Nadine. Bonne soirée à tout le monde. On se revoit dans la semaine. Amusez-vous bien, dessinez bien. Ciao.